Oh, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Gloire au Dieu de la vie, le Créateur du ciel et la terre. Celui vers qui tous les hommes doivent partir. Celui vers qui tous les hommes doivent aller. Seigneur, tu es amour. Tu es miséricordieux, tu es compatissant. Jésus, nos vies n'ont pas de sens sans toi. Tu es la vie. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Seigneur, ce soir, nous sommes à cette veillée de prière personnelle, individuelle. Et nous voulons, Papa, à travers cette vidéo, crier à toi. Mes frères, mes sœurs, cette veillée, chacun de nous l'a déjà faite. Nous l'avons déjà faite la semaine dernière. 2 heures de prière choc avec cette vidéo. Vous pouvez la mettre, la passer en boucle. Ou bien vous la mettez au début, puis après vous enlevez, vous mettez la vidéo qui... ou bien la louange qui vous va, ou bien la vidéo de prière que j'avais déjà faite, pour vous motiver, pour vous lancer dans cette prière. Mettez vos 10 sujets de prière devant vous. Ce matin, on a mis l'enseignement, on a dit que Jacob a combattu avec l'ange durant toute la nuit jusqu'au petit matin, jusqu'au lever du jour, au point où l'ange a dit, laisse-moi partir, il fait jour. Et Jacob a dit non, je ne peux pas te laisser partir si tu ne m'as pas béni. Bénis-moi, bénis-moi. Et l'ange a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Jacob. Il dit maintenant, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Tu t'appelles Israël. Dieu a changé son nom. Il a changé son image spirituelle. Je ne dis pas qu'on va changer nos noms, on va aller s'appeler d'une telle manière, mettre une autre carte d'identité, non. Mais mes frères, mes soeurs, tout ce qui est expliqué dans la Bible, ça s'est fait de manière physique, mais spirituellement, nous pouvons nous approprier ces vérités-là. Et ces choses vont agir aussi dans nos vies. Ce soir, le thème c'est bats-toi. Bats-toi avec ton ange, bats-toi spirituellement, bats-toi pour changer ton rayonnement. Bats-toi pour changer ton nom. Bats-toi pour changer ton image spirituelle. Oui, la prière est une œuvre, une action spirituelle qui a un résultat physique. Mon frère, ma soeur, proclame la gloire de Dieu dans ta vie. Prie avec cette vidéo. Seigneur éternel, ce soir, nous sommes devant toi. Nous sommes dans ce temps de jeûne, mais même après, si quelqu'un prend cette vidéo et prie avec, exauce-nous maintenant et exauce quiconque va prier avec cette vidéo. Mes frères, mes soeurs, suivez la prière et priez avec moi. Père, nous te rendons gloire, toi qui nous as donné la vie, toi qui nous as restaurés, toi qui nous as permis de te connaître, toi qui nous as permis de venir à toi, car te connaître, te prier est une grâce. Et nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de toi. Nous te prions pour ceux qui ne t'ont pas encore connu, qui ne t'ont pas encore reçu. Dans le monde entier et dans nos familles, dans nos pays, dans nos villes. Dieu, ce soir, c'est un rendez-vous divin. Ce soir est une rencontre divine. Un rendez-vous spirituel avec toi. Père, me voici devant toi. Oui, fais cette prière avec moi. Approprie-toi cette prière. Dis au Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as envoyé sur terre. Tu as un plan, tu as un programme pour moi. Le thème de notre jeûne, c'est détacher l'anneau. Seigneur, ça représente nos bénédictions. Ça représente nos grâces, nos circonstances de gloire. Parce que tu es monté sur l'anneau et tu es entré à Jérusalem. En ton nom ce soir. Je veux me battre contre ma destinée, me battre contre tout ce qui s'oppose à moi, afin que tout anneau dans ma vie soit détaché. Afin que tout ce qui est à moi, qui est tenu captif, soit libéré. Afin que toute malédiction soit annulée. Tout plan satanique brisé. Je veux me battre spirituellement cette nuit. Que cette nuit soit une nuit de bataille, de combat. Une nuit d'intercession, de persévérance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous élevons ton nom en dignité. Installe ton règne pendant ce temps de prière. Installe ton règne pendant cette mini-veillée. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu tiens point compte des temps d'ignorance. Tout ce qui est passé avant aujourd'hui, Seigneur, efface tout. Enlève tout. Je veux un nouveau départ. Je suis devant toi, Papa. En ton nom, je veux briser les chaînes. En ton nom, je veux briser les liens. Je veux me battre contre tout ange. Seigneur, la bataille de Jacob avec l'ange, ce n'était pas une bataille de... une méchante bataille contre les œuvres sataniques parce que c'était un ange. Mais c'était une bataille de persévérance. C'était une bataille de destinée. C'était une bataille pour payer le prix, pour entrer dans une dimension de gloire. Ce soir, je vais intercéder. Je vais enfanter ma destinée. Je veux un changement de nom. Je veux, Seigneur, de manière spirituelle, que mon nom soit changé. Je veux que le rayonnement sur ma vie change. Je veux briller de ta gloire. Je veux que mon étoile brille. Enlève toute ombre noire. Enlève tout tissu noir, enlève toute bâche noire, enlève toute couverture qui empêche ma lampe de briller. Père, brise les jougs. Moi, je ne sais pas, mais tu sais, s'il y a des incantations, s'il y a des gris-gris, s'il y a de l'occultisme, s'il y a de l'idolâtrie qui parle contre moi, qui réclame mon âme, qui réclame ma destinée, qui réclame ma santé, Seigneur, ôte tout, je brise. Au nom de Jésus. J'anéantis au nom de Jésus. Je consume au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Je proclame que ma vie est libérée. Je proclame que mes grâces sont libérées. Je proclame que ma santé est libérée. Je proclame que mon corps est libéré. Je vais vivre selon le nombre de jours que tu m'as accordé. Je combats ce soir toute mort prématurée pour moi et ma famille. Je combats toute mort prématurée pour moi et ma famille, pour moi et ma maison. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, je te consacre tout ce qui est à moi et tout ce qui est en moi. Papa, change mon nom. Jacob s'est battu contre l'ange jusqu'au lever du jour. Pendant ces 2 heures que je passe devant toi, Papa, change mon nom. Change mon rayonnement. Il y a des choses cachées que tu as réservées pour moi. Seigneur, mes yeux physiques ne peuvent pas les voir. Mais de manière spirituelle, Seigneur, toi tu les vois. Guide mes pas vers mes grâces. Guide mes pas, Seigneur. Conduis-moi dans ma destinée. Conduis ma famille dans sa destinée. Toi qui as dit à Pierre et à ses collègues, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Père, guide-nous. Que tu fasses de nous ce que tu as prévu. Cette nuit est une nuit de combat. Je décide de me battre, Seigneur, de me battre spirituellement afin que ma destinée change, afin que ma destinée change. En ton nom, Seigneur, j'appelle à l'existence ton plan. Tout ta nom, toute bénédiction. La nom représente les grâces et les bénédictions. Tout ce qui est à moi, qui est retenu captif, je libère cela maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est à moi, qui a été volé, je récupère au nom de Jésus. Tout ce qui est retard est rattrapé dans ma vie. Au nom de Jésus, tout ce qui est infertilité dans ma vie est rendu fertile. Tout ce qui est stérilité dans ma vie est rendu fécond. Tout ce qui est œuvre de retard dans ma vie est rattrapé. Car un jour de faveur remplace des années de labeur. Un jour de faveur remplace des années de labeur. Père, tu as dit dans ta parole, demande-moi des nations en héritage et je te les donnerai. Papa, ce que je veux, c'est la manifestation de ta gloire dans ma vie. La manifestation de ton esprit dans ma vie. La manifestation de ta parole dans ma vie, autour de moi. Je veux briller de ta gloire. Je veux rayonner de ton esprit. Je veux rayonner de ta puissance. Je veux rayonner par rapport à ton plan, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te présente mes 10 sujets de prière. Papa, pose ta main dessus. Pose ta main dessus. Pose ta main dessus.
Pose ta main, exauce. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Manifeste-toi. Exauce-moi et que le monde voit ta gloire à travers ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon rayonnement change. Mon image change. Mon nom change. Ce soir, je jette tout manteau. Comme Bartimée a jeté ce manteau. Et je dis oui à une nouvelle vie, à un nouveau départ, à une nouvelle gloire. Mes yeux s'ouvrent, les écailles tombent. Au nom de Jésus, je taille en pièces tout plan de l'ennemi. Je taille en pièces toute œuvre satanique. Je chasse tout mauvais esprit. Tu as dit de les chasser. Au nom de Jésus, je les chasse. Au nom de Jésus, je chasse tout démon, toute maladie, toute attaque, toute œuvre satanique. Je vous renvoie, je vous renvoie. Libérez ma famille, libérez ma vie, libérez ma maison, libérez mes activités, libérez ma destinée, mon impact, libérez mon rayonnement, libérez mon étoile, libérez ma vie. Au nom de Jésus, ce soir, Dieu change mon nom. Il change mon rayonnement. Il change ma gloire. Il change ce qu'il a pour moi. Maintenant, son plan s'installe. Le plan de Dieu s'installe, comme pour Jacob. Ses parents l'ont appelé Jacob. Mais toi, Dieu, tu avais prévu un nom. Israël. Je passe à la dimension d'Israël. Je passe à la dimension de gloire. Je passe à un niveau élevé de ma vie. Je brise tout ce qui m'empêche de décoller. Je brise tout ce qui m'empêche de percer. Je brise tout ce qui me met en retard. Je brise toute opposition satanique. Toute confrérie associée est mise en déroute au nom de Jésus. Tout être humain qui se lève contre moi, il échoue. Tout démon qui est derrière lui est vaincu. J'envoie le feu et je brise vos règnes. Je libère vos captifs. Je libère ma famille. Je libère ma maison. Je libère ma grande famille. Je libère toutes mes connaissances. Je proclame la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu, la vie de Dieu, la parole de Dieu. Les gens se donnent au Seigneur et leur vie change. Les gens se donnent au Seigneur et leur vie change. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je proclame la puissance de Dieu. Cette nuit est une nuit de nouveau départ. Cette nuit est une nuit de nouveau départ. Cette nuit est une nuit de nouveau départ. La vie de Dieu, le règne de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu descend sur ma vie. Maintenant, mon image spirituelle change. Mon image spirituelle change. Les portes s'ouvrent. Portes, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel puissant dans les combats. Seigneur, tu as changé le nom de Jacob. Tu l'as appelé Israël. C'était de manière prophétique pour dire que nous devons persévérer pour entrer dans nos percées. Nous refusons la mort prématurée. Nous refusons la guerre dans nos pays. Nous proclamons la connaissance de Dieu. Le réveil spirituel. Donne-nous la force de faire ton œuvre. Donne-nous la force de soutenir ton œuvre. Donne-nous la force, Seigneur, d'être à notre poste. Car tu reviens bientôt. Mais pendant qu'on est là, Seigneur, nous voulons refléter ta gloire. Alors tout ce qui est opposition à notre percée, soit renvoyé, soit détruit, soit consumé, foudroyé. Nous appelons à l'existence le règne de Dieu. Nous appelons à l'existence sa puissance. Nous appelons à l'existence sa manifestation. Au nom de Jésus, je proclame que mon nom a changé. Je proclame que mon image a changé. Je proclame que je suis béni. Je proclame que je prospère à tous égards. Je proclame que je suis une étoile. Je proclame que la gloire de Dieu se manifeste en moi. Je proclame que son esprit agit dans ma vie. Je proclame que son règne descend. Je proclame que sa puissance se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Papa. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire éternelle. Que ton règne vienne. Que ta manifestation divine s'installe dans ma vie, dans ma famille. Mon frère, ma soeur, prie pour ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Cite les noms de chacun. Cite leur nom. Cite leur nom. Cite les noms des membres de la famille. Oui, 2 heures du temps. Il faut meubler cela. Il faut meubler cela. Tu pries avec tes sujets, des 10 sujets. Tu intercèdes, tu combats, tu envoies le feu et tu proclames que tu es béni. Tu proclames que ton nom a changé. Tu proclames que ton image spirituelle a changé. Mes frères, mes soeurs, c'est une nuit de combat. Une nuit de combat. Vous allez voir. Les portes vont s'ouvrir. Il y aura beaucoup de témoignages. Recevez la grâce de Dieu.
recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus.